Et à tous, bienvenue à ce troisième live organisé par l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Jovis, qui est artisan ébéniste dans la Sarthe et qui est également le président du label AEF, les artisans ébénistes de France. Bonjour Éric. Bonjour Peggy, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Éric, vous avez créé en 1986 les ateliers Jovis à Montcy. Oui. Vous réalisez du mobilier sur mesure, des cuisines, des bars, des billards. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et vos différentes réalisations? Eh bien, pas de problème. Donc, comme vous le disiez, Peggy, c'est une entreprise que j'ai créée en 1986. À l'époque, j'ai créé une entreprise de fabrication de billards. C'était mon activité, mon unique activité. J'ai eu la chance d'arriver sur un marché qui était débutant, tout à fait débutant, où il y avait des acteurs historiques qui étaient bien assis dans leur zone de chalandise, quoi. Et moi, je suis arrivé jeune ébéniste avec un ou deux autres collègues, avec des idées complètement neuves sur la conception des billards, sur leur design. Et donc, on a un peu pris notre place, nous, là-dedans. Rapidement, on a été plusieurs à prendre des parts de marché et à grandir, quoi, assez rapidement. Ensuite, au bout d'une dizaine d'années, j'ai voulu compléter notre activité avec du mobilier, puisque moi, comme mes collaborateurs, on est ébénistes. Et ma première idée, ça a été de me dire, quand on joue au billard, en fait, on est toujours au moins deux. Et il y en a un qui joue et l'autre qui est assis, en général, devant une bière ou un whisky ou ce qu'il veut. Enfin, bref, il est assis. Mon idée, ça a été de faire des petits bars pour accompagner les billards qu'on fabriquait. C'est donc ce que j'ai appelé des meubles bars, des bars privés pour mettre chez les gens. Donc, j'ai commencé à créer une gamme de produits d'ébénisterie de bars, donc plutôt de style bistrot, quoi, on va dire. Je m'inspirais des années 30, de ce qui avait été la grande époque de la brasserie parisienne. Et j'avais une petite gamme de meubles bars qui marchait assez bien. Et rapidement, j'ai des professionnels qui sont venus me trouver en me disant, mais Eric, nous, on veut des bars comme ça dans nos restaurants parce que ça se trouve plus, il n'y a plus personne pour faire ça. Et donc, j'ai commencé à fabriquer des bars pour les professionnels, ce qui est un tout autre challenge. Là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est d'autres contraintes, c'est des délais différents, c'est des livraisons beaucoup plus compliquées, mais on s'est jeté dans ce marché-là. Et très rapidement, on a été aussi reconnu pour être un acteur de ce que j'ai appelé, moi, après, le style bistrot, le renouveau du style bistrot, c'est-à-dire des billards généralement en bois massif, avec des comptoirs en étain, avec tous les attributs du style brasserie parisienne, quoi. Parallèlement à ça, j'ai créé aussi un atelier zinc. Pourquoi zinc? Parce que on peut fabriquer des comptoirs en zinc. Et les comptoirs, c'est les parties supérieures des bars de restaurant, ce qu'on appelle aussi la piste. Et donc j'ai créé un atelier de zinc avec tout le matériel qu'il faut pour pouvoir fabriquer des comptoirs. Là ici on voit le petit visuel que vous mettez, c'est l'atelier, voilà, qui fait 1000 mètres carrés. Donc l'atelier, je peux pas vous le montrer parce que je suis obligé de me déplacer, je vais perdre ma connexion Wi-Fi, mais je peux, donc voilà, juste une photo. Donc c'est un grand atelier de 1000 mètres carrés qui est complètement équipé pour les ébénisteries et le zinc. J'ai 4 collaborateurs qui travaillent en production et on est 2, moi et Madame Jovis, en administratif, commercial, bureau d'études, voilà. Ça, c'est un exemple de billard que je fabrique toujours, d'ailleurs, qui est une reproduction des années 1970 tout en noyer massif. Donc, ça, c'est les billards. Voilà, ça, c'est les petits meubles bars qu'on fabrique pour les particuliers. Donc, vous voyez, ça ressemble à du mobilier de brasserie, mais en plus petit, en fait. Hein. Et là, c'est des exemples de restaurants, de réalisation de restaurants. Donc ça, c'est plusieurs restaurants qu'on a fait dans le nord de la France, qui s'appellent Beers & Co. Très traditionnel, tout en bois cintré, en bois massif cintré, une belle couleur noire, de l'inox chromé, etc. Et la suivante, voilà, ça, c'est une réalisation assez récente, d'un bar professionnel aussi, dans un restaurant. Là, on a un beau comptoir en étain,
et puis une belle façade en frêne naturelle. Et en complément de cette activité de bar et de billard, j'ai aussi créé une activité de cuisine sur mesure depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ça, c'est voilà les réalisations de zinc qu'on fait. Et là, voilà, ça sont les cuisines qu'on réalise. Donc, au début, les gens m'ont demandé des cuisines parce qu'ils cherchaient un bar pour mettre devant leur cuisine. C'était devenu la mode. Des cuisines avec îlot, des cuisines avec bar américain. Donc, on a commencé à fabriquer des bars pour les cuisines. Et puis j'ai fini par faire toutes les cuisines complètes pour les gens parce que c'est un travail d'ébénisterie comme le reste. Assez particulier, assez spécifique, qui est assez compliqué à mettre en œuvre, mais une fois qu'on a bien compris les tenants, les aboutissants de tout, la manière de commercialiser, c'est un marché qui est assez porteur et qui est très intéressant au final. Donc voilà, donc nos clients, vous l'avez compris, c'est des particuliers pour aménager une salle de détente avec un meuble bar, un billard, ou pour aménager une cuisine, ou des professionnels en hôtellerie, restauration. Voilà, on a fait le tour de l'activité. Ok, très bien. Alors, vous avez un showroom et puis du coup, on va pouvoir aller le visiter ensemble. Eh bien, si vous voulez, on va essayer de... Alors, je vais faire une petite manipulation. Je vais mettre la caméra frontale ici pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, on est dans mon bureau. On va passer au showroom. Donc, petit showroom, mais bien équipé quand même. Les gens nous disent qu'il est joli. Donc, vous voyez les billards qu'on fabrique, les modèles actuels avec du zinc, vous voyez. Je sais pas si on voit bien, mais. Oui, on voit bien. Avec du zinc. Donc ça, puisqu'on a un atelier zinc, on fabrique des billards aussi avec du zinc. Ici, vous voyez une création typique de bar pour restaurant, avec une belle façade en chêne massif, un beau comptoir en zinc, et puis un arrière-bar. Donc, on continue le showroom. Là, on va vers les cuisines. Donc, voici une première cuisine. Donc, comme par hasard, il y a aussi du zinc. La haute aussi. Vous avez une grande armoire là. Je vais vous montrer. Hop, si on veut bien. Une grande armoire avec beaucoup de rangements. Avec le petit grincement qui est tout à fait normal, puisque voulu. Avec le bruit qui, je ne vais pas dire qu'on l'a fait exprès, mais presque. Les gens nous disent surtout toucher à rien, c'est comme chez ma grand-mère, donc on touche à rien. Une autre création de cuisine, voilà, que j'ai réalisée pour le salon à redécoration l'année dernière. Donc une grande cuisine sur le thème du meuble de mercerie, vous voyez, avec plein de tiroirs. Un îlot en forme d'établi en frêne massif. Et puis encore une grande armoire avec du zinc, une belle façade en zinc. Et surtout, beaucoup de rangements à l'intérieur. Des grands rangements avec des tiroirs qui font presque 70 cm de profondeur. Donc, c'est énorme. Voilà. Ici, un petit meuble bar avec un comptoir en étain. Voilà le gros de notre production, voilà notre showroom. Je retourne à mon bureau et je vais inverser la caméra pour que vous puissiez me voir à nouveau. Voilà, Peggy. Merci pour cette visite. Ça nous permettait de vraiment voir vos réalisations dans le détail. Alors, au-delà de ces mobiliers sur mesure que vous réalisez, c'est en fait une vraie atmosphère que vous créez. Et qu'est-ce que ça englobe, en fait, ce mot atmosphère pour vous et vos clients? Ouais, l'atmosphère, c'est un concept qui est assez intéressant en fait parce que c'est à rapprocher. D'ailleurs, je vais le faire avec les interventions de Paul Hoffman et Karine Klinkomaï qui sont intervenus sur le Facebook il y a une semaine, il y a 15 jours. On est là dans le domaine du créatif. Moi, je pense que pour durer, il faut deux choses. Il faut un être identifiable et reconnaissable, c'est-à-dire avoir une signature quelque part. Et puis, savoir où on commence et on finit. Et la deuxième chose, c'est de le faire savoir, bien sûr. Donc, la première chose, pour ça, il faut être créatif quand même, quelque part. Il faut marquer son empreinte, marquer son territoire. Le plus dur, c'est de définir sa créativité, au final. Comment on fait ?
Moi, ma solution, c'est de créer des ambiances, de créer des atmosphères. C'est un petit peu différent, c'est même assez différent de la démarche de Paul Hoffman, qui est intervenu il y a 15 jours sur le Facebook Live, qui lui est un créateur pur, c'est-à-dire que tous ses produits sont des produits de création. À chaque fois qu'il a un client en face, il imagine un produit nouveau qui est nouveau. Voilà, c'est ça, c'est le terme nouveau et créatif. Moi, je suis pas tout à fait dans cette démarche-là. Moi, je suis plus dans je m'imprègne de ce qui est au goût du jour. Je regarde ce qu'il y a autour de moi. Je m'informe. Je fais le curieux. Je regarde les tendances. J'essaye d'intégrer tout ça et de les restituer dans mon travail. Donc, c'est un travail de mise à jour permanent, d'étude des tendances, de ce qui se passe. D'ailleurs, je conseille à mes collègues, étonnamment, d'aller voir dans les magasins de meubles, même si au niveau de ce qu'ils fabriquent, on n'est pas tout à fait d'accord, sur la même longueur d'onde. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui sont belles et qui sont faites par des designers dans les magasins de meubles. Alors, toutes les enseignes, je ne vais pas citer les noms, bien sûr, mais ça vaut le coup d'avoir les catalogues de ces magasins-là, de ces distributeurs-là, et de s'en imprégner aussi parce que c'est des choses qui sont à l'ordre du jour. Donc voilà, on était très intéressés, je dis on, moi et mes collègues artisans, par l'intervention de Karine Klinkomaille, qui a parlé entre autres des tendances et des guides pour pouvoir être créé. Et je pense que c'est tombé dans l'oreille de l'UNAMA, de notre président, notre directeur Patrick Cruz, qui j'espère va la faire intervenir pour que nous, là je parle en tant que président du label EF, qu'on puisse nous profiter de ses connaissances. Ça nous paraît très, très intéressant de pouvoir nous mettre ça en œuvre dans notre pratique quotidienne après. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, ces réunions de présentation des planches tendances de Karine vont être reportées normalement à septembre, hein, puisqu'elles étaient initialement prévues à Lyon, à Carcassonne et à Lorient. Et ah, ok, super. Également, lors du salon Artisar qui se déroulera à Grenoble fin novembre. Grenoble. D'accord, donc, très bien. C'est très bien que les ébénistes puissent se former à ce genre de pratique, là, les cahiers tendances, tout ça. Il faut qu'on les intègre dans notre pratique quotidienne. Oui. C'est une des clés des réussites. Tout à fait. Alors, je regarde si on a des premières questions. Pas pour l'instant. Donc, n'hésitez pas hein, vraiment à poser toutes vos questions à Eric, de profiter de ce moment d'échange. Alors, Eric, vous portez un soin très particulier à travailler la notoriété et l'image de votre entreprise, hein, notamment à travers votre site Internet, les réseaux sociaux, vos salons, les portes ouvertes. Pourquoi ces actions sont importantes et est-ce que ça vous rapporte ? Alors, en fait, c'est très lié à l'histoire de l'entreprise. Vous avez compris qu'au début, je fabriquais que des billards, donc j'étais sur un monoproduit. Monoproduit, ça veut dire que pour développer mon entreprise, il a fallu chercher des clients assez loin. Les clients étaient diffus, en fait, parce que le produit n'était pas un produit qu'on pouvait mettre dans toutes les maisons. Donc, il fallait aller chercher les clients très loin. Donc, assez rapidement, j'ai eu comme zone de chalandise la France entière, au final. J'ai donc dû faire pas mal de salons un peu partout. Notamment, j'ai fait pendant une quinzaine d'années la Foire de Paris. On voit des photos ici. La Foire de Paris qui était un gros, gros salon qui me permettait de vendre dans toute la France. Mais c'était quand même très chronophage. Ça prend beaucoup de temps. C'est très cher, c'est très fatigant. Et puis, au fur et à mesure des années, les salons devenaient quand même moins profitables. Entre-temps, il s'est passé quelque chose autour des années 2000, c'est qu'il y a un phénomène qui est arrivé, ça s'appelle le web. C'est un phénomène auquel je me suis intéressé très, très rapidement, à tel point que dès 2001, pratiquement, je me suis retrouvé à livrer avec mon petit camion à 1000 km de chez moi en Suisse, dans la montagne, il neigeait, c'était l'hiver. Et je suis arrivé après une journée de route en Suisse, là-bas, au bout du chemin, il y avait un bonhomme qui m'attendait, c'était mon client. Et ce client-là, je ne l'avais jamais vu, on ne se connaissait pas. Et ce client-là, j'en avais plein mon camion, il y avait un beau budget. Et ce client-là m'avait commandé par échange de mails et ce qu'il avait vu de moi sur Internet. Et là, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Là, je me suis dit, on peut tout faire.
On peut vraiment faire beaucoup de choses. Et donc, je me suis jeté à fond dans cette technique-là, qui me permettait d'être présent dans toute ma zone de chalandise, voire plus loin, sans avoir à me déplacer, à être sur place, à monter des stands, à les démonter, etc. Et donc, je me suis jeté là-dedans. Après, quand les réseaux sociaux sont arrivés, bah, naturellement aussi, j'ai commencé à communiquer là-dessus. Et donc, pour moi, que ce soit le web, les emails, les mailing aussi, c'est important. Les réseaux sociaux, c'est ce qui remplace une présence en zone commerciale, au final. J'ai remplacé un loyer de magasin par du référencement naturel et du référencement payant, puisque je paye aussi pour être référencé. Donc, ça change un petit peu le process commercial, bien sûr, parce que le process commercial consiste non pas à créer de la visite en magasin, mais à créer de la visite sur le web, de récupérer des demandes, puisque les gens peuvent faire des demandes de devis sur notre site internet. La difficulté à ce stade, c'est d'avoir des demandes qui sont qualifiées, parce que rapidement, quand vous êtes visible, les gens vous demandent. Vous savez, maintenant, c'est très très facile avec un petit téléphone, vous en deux clics, vous faites une demande. Donc après, on se retrouve avec des demandes dans tous les coins. Le plus dur, c'est ici d'arriver à avoir des demandes qualifiées. Donc, il faut faire vraiment la mécanique en amont dans ce sens-là pour avoir des demandes qui sont que des demandes qui correspondent à votre activité et puis des demandes avec du budget. Donc, c'est ça plus compliqué. Après, bien sûr, une fois qu'on a les demandes, on échange par téléphone, par mail. La consigne, c'est faut vraiment être hyper pro dans ces documents. Hyper pro parce qu'il n'y a pas le serrage de main, il n'y a pas le regard. Votre présence, elle est remplacée par ce que vous envoyez au client. Donc là, il faut vraiment que vos documents soient nickel, compréhensibles, propres et qui donnent une belle image de vous. Et tout l'intérêt du numérique intervient là, notamment sur des logiciels comme SketchUp, puisque avec SketchUp, on peut envoyer à la fois des visuels, mais aussi donner aux gens à visualiser en 3D avec des viewers. Ils peuvent visualiser sur leur téléphone ce que vous avez créé pour eux. Ce qui est important aussi pour moi, c'est les logiciels de devis en ligne, parce que ça permet de partager avec les clients des devis. On sait quand ils ont cliqué, quand ils ont regardé, quel est leur intérêt, s'ils ont regardé plusieurs fois. Donc ça, c'est intéressant. Donc en fait, les réseaux sociaux, les sites web, les emailing, c'est juste des outils pour remplacer un showroom, au final, enfin, pour remplacer un magasin, quoi. Ok, on aperçoit à l'écran, d'ailleurs, votre site internet. Oui, exact. Ainsi que votre page Facebook. Donc, effectivement, beaucoup d'outils, mais malgré tout, vous gardez justement ce showroom physique. Il reste important malgré tout. Alors oui, bien sûr, ça reste important, parce que même si on peut traiter au moins 70% des affaires à distance comme ça, il y a aussi des gens quand même qui aiment bien le contact. Et puis, malgré tout, moi, j'essaye quand même de faire venir les gens. C'est-à-dire que ma procédure, c'est pas forcément de vendre par Internet à 100%, d'être un pure player. C'est aussi d'utiliser Internet pour quand même générer du trafic, mais du trafic du one-shot, ce qu'on appelle, c'est-à-dire au dernier moment. C'est-à-dire, ils viennent parce qu'on s'est mis d'accord sur tous les éléments de notre contrat et il ne reste plus qu'à regarder des échantillons, des couleurs. Ils viennent pour finaliser. Ça, c'est important. C'est pas juste pour voir, au final, voilà, si j'ose dire. C'est parce qu'on a beaucoup travaillé en amont et qu'ils sont prêts à faire le déplacement, parce que pour venir me voir, il faut qu'ils prennent l'autoroute, il faut qu'ils sortent de l'autoroute. Voilà, on n'est pas accessible en zone commerciale. Donc, mais par contre, moi, je mets un point d'honneur à avoir un showroom qui soit beau. Parce que si je fais venir des gens qui font 500 km, c'est pas pour les recevoir dans un truc pas joli, quoi. Je veux montrer que je fais attention à eux et que mon showroom est joli parce que je veux qu'ils aient des choses à voir. D'accord. Et je conserve aussi, malgré tout, un salon tous les ans, un salon art et décoration qui est créé, enfin géré et mis en place par le magazine art et décoration qui se tient tous les ans au mois de mars à la porte de la Villette. Et ça, pour moi, c'est aussi une manière d'aller vers les gens et participer à une action collective, puisqu'on participe avec l'UNAMA, les AEF, à cette opération-là. D'accord. Alors, avant de parler justement de l'actualité des AEF, on a des premières questions, donc on va pouvoir commencer à y répondre. Alors déjà, juste ouais. Pierre qui nous dit « Magnifique travail, bravo Eric. » Voilà. Merci Pierre, oui. Alors, nous avons Roland
qui nous demande, quand tu utilises le zinc pour les dessus de barre, est-ce qu'il y a comme des exigences contact alimentaire? Non. Non, parce qu'en fait, on n'utilise pas le zinc pour en cuisine. Enfin, du moins pas en cuisine professionnelle. Après, on utilise le zinc alors d'une manière professionnelle en comptoir de bar. Et là, il n'existe pas de normes particulières. Et ça n'existe pas. Le zinc, alors pour retracer un petit peu l'histoire du zinc, pourquoi le zinc au final? Parce que quand j'ai commencé à faire des bars professionnels, il a fallu que je fournisse les dessus en étain, parce que les comptoirs dans les grandes brasseries parisiennes sont beaucoup en étain. C'est des comptoirs en étain. Donc, c'est très, très joli. C'est un très, très beau métier. Ça, ce sont les artisans étainiers qui font ça. Mais ça coûte très, très cher. Ça coûte vraiment très, très cher. Ça coûtait pratiquement aussi cher que mon travail à moi. Donc, ça me plombait mes devis. C'était compliqué. Et étonnamment, je pense que vous savez qu'un vieux comptoir, on appelle ça un vieux zinc. Alors que le zinc et l'étain sont des matériaux complètement différents. Il y avait cette chose-là qui m'interpellait. Et j'ai essayé de commencer à fabriquer des comptoirs en zinc pour voir si ça pouvait marcher. Et en creusant la question, je me suis rendu compte que c'était utilisé traditionnellement en comptoir de bar et que ça permettait, moi, de développer une activité parallèle, enfin complémentaire, qui me permettait de faire des comptoirs un peu dans l'esprit étain, mais moins cher. Et donc, en creusant la question, je me suis rendu compte que ça a toujours existé en comptoir de bar, qu'il n'y a pas de normes particulières à ce niveau-là, dite contrainte. Pour avoir travaillé avec plusieurs architectes et leur avoir posé la question, eux m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec ça. À partir du moment où ce n'était pas utilisé en cuisine, mais c'est jamais utilisé en cuisine professionnelle, c'est toujours l'inox. Après, chez le particulier, ça nous est arrivé d'en faire, on a eu des demandes en plan de travail de cuisine. Et bon, personnellement, je ne vois pas où il peut y avoir un problème. C'est pas nocif, le zinc en soi-même. Et il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de normes là-dessus. Donc, a priori, aucun problème avec ça. D'accord. OK. Alors, on a une deuxième question de François. Faites-vous que du sur-mesure ou proposez-vous aussi des meubles produits en standard? Alors non, que du sur-mesure. Vraiment que du sur-mesure. On n'a aucune production en standard. On en a fait à un moment donné des petits meubles bar, on en faisait. Malheureusement, j'ai des collègues qui le font, donc je ne vais pas dire du mal de ça, mais malheureusement, enfin, du moins dans mon activité à moi, les meubles bar, les trois quarts des choses qui existent, ça vient au mieux d'Autriche, de Roumanie, et sinon beaucoup d'Indonésie ou du Vietnam, donc on ne peut pas faire grand-chose vis-à-vis de ça. Tout ce que vous trouvez dans les grandes surfaces de meubles, ça vient de là-bas à des prix, c'est même pas envisageable. Il faut faire ce qu'on sait faire et là où on a quelque chose à amener. Et moi, j'ai des choses à amener dans la création de choses grandes et sur mesure et parfaitement adaptées aux gens, pas des meubles, voilà, pas des petits meubles. C'est la différence. Voilà, c'est ça. Alors, Mathieu, bonjour, commentez-vous le numéro dans votre évolution? Privilégiez-vous les machines numériques au service de vos collaborateurs? Sur cet aspect numéro, je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais... Ça ne me parle pas, mais ouais. Je l'entends parler de machines numériques. C'est un peu l'arlésienne, ça, les machines numériques dans notre activité. Les commandes numériques sont des machines qui sont très, très, très chères, encore assez inabordables pour les artisans. Malheureusement, il y en a très peu qui sont équipés. Voilà, c'est les machines numériques, c'est jamais qu'un outillage, on va dire. Voilà, ça permet de faire certaines choses qu'on ne fait pas à la main, mais à la main, on fait certaines choses qu'on ne va pas forcément faire à la machine numérique. Bon, pour moi, c'est pas fondamental. Ce ne sont jamais que des machines. L'important pour moi, c'est d'avoir une offre, de créer des choses qui plaisent aux gens. Alors, les prix sont importants aussi, mais on se rend compte quand on fait de l'unitaire comme ça. On est encore compétitif quand on fait les choses à la main, enfin à la main, de façon parlée, par rapport aux commandes mail. Nous, on n'est pas équipés, c'est encore trop cher, et voilà, il n'y a pas beaucoup d'artisans qui le sont, mais il y en a certains qui le font, effectivement. C'est un outil que moi j'aurais adoré mettre en place, mais je ne sais pas si j'aurais un jour les moyens de le faire. Ok.
Alors, on revient à nouveau sur la communication avec Auguste, mais je pense que vous avez répondu en partie à la question tout à l'heure quand vous avez parlé de vos sites de communication. Il demandait comment utilisez-vous le numérique pour vous faire connaître et vendre. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, sauf si vous voulez préciser. Et Claire aussi, dans cette idée-là, demande, les réseaux sociaux t'amènent-ils de nouveaux clients? Eh bien, Claire, bonjour. Si c'est la Claire à laquelle je pense, je te salue bien. C'est une collègue. Claire, je reconnais bien là ton intérêt pour la communication, toi aussi. Les réseaux sociaux, comment dire, autant sur la présence web, où je suis capable d'avoir des indicateurs, des mesures. Il y a des outils pour ça qui sont très, très complexes et très compliqués. Mais quand on s'y met, on finit par savoir, il est important de savoir où est-ce qu'on met l'argent et ce que ça rapporte. Donc, on sait le nombre de visites qu'on a sur les sites, les nombres de visites qui ont abouti à une conversion, c'est-à-dire à une demande de devis. Enfin, ça, on est capable de le savoir. Pour les emailings, c'est pareil. On a des outils maintenant qui permettent de savoir assez facilement combien de gens ont ouvert votre email, combien ont répondu. En gros, si l'email que vous envoyez sert à quelque chose. Sur les réseaux sociaux, là, j'avoue que j'ai pas encore regardé. Il y a des outils sur Facebook, entre autres, qui m'ont l'air bien compliqués. Disons que je ne me suis pas encore regardé. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que je peux pas mesurer l'impact que ça a, mais je sais que ça a un impact. C'est quelque chose qu'on sent, qu'on voit, mais dont on n'a pas de preuves. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait il n'y a pas très longtemps deux vidéos sur Facebook qui ont super bien marché sans que je fasse le moindre, sans que je paye quoi que ce soit. C'est vraiment du naturel. Et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui à ce moment-là se connectent et vous disent qu'ils sont connectés. Alors que par ailleurs, il y a plein de gens qui envoient vos publications mais qui ne font aucune action pour vous le montrer, qui ne cliquent pas un j'aime. Ils ont simplement vu, mais ils vous ont vu. J'ai même des gens qui m'ont envoyé des SMS pour me dire qu'ils m'avaient vu sur Facebook. C'est-à-dire qu'ils ne répondent même pas sur Facebook, ils m'envoient un SMS pour me dire « Ah, on vous a vu, etc. » Donc, au final, on sent que ça bouge derrière, on sent que ça sert à quelque chose, mais je ne peux pas vous dire que ça m'a amené tant de clients, c'est impossible. C'est un complément. Je sais que les gens qui me voient sur le web ou qui me connaissent me suivent aussi, et puis qu'à un moment donné, tout ça, ça fait une masse d'informations, que voilà, ils nous connaissent à travers ça. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un outil de dialogue avec vos prospects clients, effectivement. Oui, permanent. Oui, je pense que c'est important. Alors, Laurent, mais je pense qu'on viendra sur cette question peut-être dans la deuxième partie de l'interview, nous demander quelle est la valeur ajoutée du label AEF, nouveau débouché, nouvelle visibilité, un plus proposé aux clients. Donc, peut-être donc dans la deuxième partie pour répondre à cette question. Franck nous pose cette question. Quel logiciel pour moins de devis en ligne? Ah, alors moi, j'utilise une plateforme en ligne qui s'appelle Sellsy, S-E-2-L-S-Y. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. Moi, j'adore cette plateforme-là. Ça correspond aussi à ma manière de faire des devis. Attention, après, il faut créer. Mais vous créez vos articles. Et puis vous avez toutes les gestions de devis qu'on trouve par ailleurs, il n'y a pas que, mais ils ont une interface qui est vraiment très très belle et intuitive. Franchement, ça c'est bien, on a les outils là où il faut l'essayer. Bien sûr, c'est par abonnement, ça coûte un petit peu, mais partout où je me trouve en France et dans le monde entier, enfin je bouge pas beaucoup de la France, mais partout où je me trouve, je peux avoir accès à mes devis et surtout je sais quand j'envoie un devis s'il est lu par les gens, combien de fois il est lu. Et comment ça percute derrière. Voilà. Donc, ça s'appelle celle-ci, S-E-2-L-S-Y. Mais il y en a d'autres. Hein. Mais celui-ci, moi, je peux vous le conseiller, il n'y a aucun problème. Parfait. Alors, Hugues, Eric, quel logiciel de dessin utilisez-vous? Alors, moi, c'est SketchUp. Je suis un inconditionnel de SketchUp à 100%. SketchUp vous permet de faire des esquisses. C'est le terme même sketch au départ, c'est des esquisses. Vous permet de faire des esquisses. Vous permet de faire des visuels plus sophistiqués, vous permet de faire des visuels très sophistiqués et vous permet aussi, nous on l'utilise à foison, pour faire directement des plans de fabrication avec des vues isométriques, des cotes, des cotations, des hachures, tout ce qu'il faut. Il faut pour ça la version professionnelle, mais qui reste quand même une des moins chères du marché en solution de CAO comme ça.
Moi, je suis un inconditionnel, mais il n'y a pas que ça. Hein, y a pas que ça. Maintenant, ça a un inconvénient. Je ne vous le cache pas, c'est que je ne dessine plus à la main parce que j'ai pris l'habitude directement de me mettre là et ce n'est pas une bonne habitude. Mais bon, voilà, c'est un détail. D'accord. Franchement, ce qu'elle fait pour le prix que ça coûte, c'est quand même terrible. C'est un très bel outil. Alors, ça va faire le lien avec une remarque de François. Ne trouvez-vous pas des limites dans l'utilisation justement de SketchUp sur la courbe si vous en faites ? SketchUp, c'est pas un modeleur. Avant, je travaillais avec Rhino. Rhino, c'est vraiment un modeleur, quelque chose qui permet de faire du volume et des surfaces. Très, très compliqué comme logiciel. SketchUp, c'est simple. Bien sûr que les courbes sont pas des vraies courbes, voilà. Mais encore une fois, ça correspond à mon flux de production en moi. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas comme Paul Hoffman ou Jérôme Daillot ou d'autres qui sont vraiment dans le créatif pur et qui vont être vraiment à la courbe près, à travailler une courbe très longtemps jusqu'à ce qu'elle soit belle. Moi, je suis pas dans ce détail-là, je dois l'avouer. Je suis plus dans le productif, on va dire. J'ai moins besoin de ces détails-là. Et pour moi, SketchUp, c'est très bien. Par contre, pour les gens qui sont très créatifs, plus créatifs, il y a des choses comme SolidWorks, je crois, ou d'autres logiciels qui permettent de pousser un petit peu plus loin la partie volumétrique et la partie fond. Bon, mais pour mon activité à moi, SketchUp, c'est très bien. Et puis, il y a déjà beaucoup de choses pour faire des courbes avec la version pro et avec les plugins que vous pouvez télécharger. Vous pouvez quand même aller déjà pas mal loin avec les courbes. D'accord. Alors, on revient avec une question sur la relation client. Une question de Marie-Christine. Peut-on vraiment à long terme se passer du contact terrain avec les clients? Je pense que c'est la Marie-Christine que je connais pour poser une question aussi humaine que ça. Ça peut être qu'elle. On peut pas se passer du contact le client, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par Internet, on a un vrai contact. Il faut quand même... vous voyez, typiquement, on est en pleine période de confinement. Les gens sont en train de créer d'autres manières de contact. On fait des apéritifs à distance, on se parle à distance et on se rencontre. Vous voyez, alors bien sûr, ça ne remplace pas une embrassade, ça c'est clair. Mais on peut avec des échanges, même des échanges non visuels, avoir un vrai contact, un vrai échange, parfois même des vraies émotions, sans être forcément l'un en face de l'autre. Mais encore une fois, moi je dis quand les gens viennent ici à mon showroom, je sais que c'est gagné parce que ils viennent pas pour rien. Et puis s'ils viennent, ils sont tout de suite rassurés par le showroom, par la manière dont on travaille et le contact. Effectivement, ça rien ne remplace le contact. Je suis d'accord. Mais moi en l'occurrence, j'ai pas d'autre choix si je veux travailler dans toute la France et ne pas être en déplacement en permanence. Il faut que mon contact je le crée par internet et ça marche quand même pas mal. Ok. Alors, Hugues, Eric, pourquoi ne pas rester en étain qui est plus noble ? Alors, on reste aussi en étain, on vend de l'étain, mais simplement, ce n'est pas le même usage, enfin, c'est pas les mêmes, on ne fait pas les mêmes choses au final. L'étain, comme je vous l'ai dit, c'est un matériau magnifique, c'est magnifique. Ça permet de faire beaucoup de moulurations, de très belles moulurations, de faire du volume. C'est un très beau matériau, c'est satiné, ça s'oxyde pas. Mais l'étain, ça a un gros inconvénient, je le dis, ça vaut très très cher. Ça vaut très cher. On peut pas faire. Tous les restaurants peuvent pas se permettre d'avoir un étain. Et ceci dit, le zinc a quand même une caractéristique à lui qui font que on peut le choisir pour ces caractéristiques-là. Notamment, c'est un aspect quand même assez matière, assez grunge, assez vivant, qui va se patiner, qui va prendre des traces de verre. Ça fait quelque chose de très très vivant au final quand on sait l'entretenir correctement. Enfin, il y a une manière de faire qui fait que on a assez rapidement un comptoir qui a vécu. On sent qu'il a vécu et ça c'est un intérêt. C'est aussi un intérêt de la chose. En plus, c'est pas du tout la même manière de travailler l'un ou l'autre. L'étain, vous l'aurez compris, ça se travaille par fusion, c'est de la fonderie. Le zinc, ça se travaille par pliage. Nous, ici, j'ai créé un atelier zinc. On a une plieuse, on a un massicot. Donc, c'est vraiment des feuilles qu'on travaille. Donc, l'aspect plus façon tôlerie, ça ressemble à un vieux coucou, un vieux zinc, un vieil avion, vous savez, avec des rivets, on met des rivets, des choses comme ça. Donc, ça n'a pas aussi le même aspect que l'étain. On peut considérer que ce sont deux choses différentes, même si on peut se rabattre des fois sur le zinc
à cause du prix uniquement. Mais d'accord, on continue à faire des comptoirs en étain pour les clients qui le demandent, parce que c'est tellement beau aussi, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions, donc c'est très intéressant. Hugues nous demande, comment protégez-vous vos créations? Alors, on ne protège pas du tout, pas du tout. Parce que ce ne sont pas des productions reproductibles, on va dire. On n'est pas dans création d'un produit qu'on va fabriquer plusieurs fois. C'est à chaque fois des créations qui ne sont pas forcément non plus protégeables, parce qu'elles n'ont pas forcément un caractère innovant à chaque fois. Encore une fois, moi, j'essaye d'être dans le goût du jour, de repérer les tendances et tout, mais je ne suis pas devant tout le monde, comme peuvent le faire des vrais créateurs, des designers. Les designers, leur objectif, leur travail, c'est d'être devant les autres et de nous mener, nous. Donc, moi, je ne suis pas sur cette idée de créer des produits à protéger parce qu'ils seraient tellement originaux que je ne veux pas me les faire piquer. Mes produits sont dans le goût du jour, ils plaisent aux gens, ils sont ma signature, ils me ressemblent. Et puis voilà, c'est tout. Puis si quelqu'un veut les faire, c'est pas bien grave. Alors, en même temps, je comprends que des gens qui font un vrai travail suivi sur plusieurs semaines de créer des choses veulent le protéger. Ça, c'est normal quand ils ont fait un vrai travail important pour aboutir à un résultat original et qui soit différent de tout ce qui existe. Alors, une deuxième question de Hugues. Eric, où achetez-vous vos matières premières? Alors, on travaille beaucoup du bois massif qui vient des scieries aux alentours. Donc, les scieries sont les entreprises qui achètent des arbres sur pied et qui nous les découpent en tranches et qui aussi nous les sèchent parce qu'il faut que ce soit parfaitement sec. Donc, ça, c'est dans des scieries locales. Donc, tout le bois provient ou de la région pour ce qui est du chêne, du frêne, beaucoup, ou de France. On utilise aussi parfois du mélèze, du douglas, de l'érable, ça peut venir de la montagne, mais ça vient de France de toute façon. Il y a plus de, maintenant, plus de 20 ans pratiquement qu'on n'a pas utilisé une seule planche de bois dit exotique, c'est-à-dire de bois venant d'ailleurs que de France. Après, sur les autres matériaux qui sont des panneaux, on utilise là aussi des panneaux de bois massif qu'on trouve chez les fournisseurs professionnels habituels que les collègues connaissent, enfin les réseaux habituels de fournisseurs. Et puis, ben voilà, en gros, c'est à peu près tout. Puis, je travaille beaucoup aussi avec des collègues artisans qui ont soit des éteigniers. Je travaille avec une ferronnière, Cadel, là, qui est pas loin de chez moi aussi, qui fait des très belles, jolies choses en ferronnerie. J'essaie de travailler avec ces gens-là aussi parce qu'ils sont sur les mêmes valeurs que nous, sur les mêmes manières de travailler, et puis que ce qu'ils font, c'est beau, c'est pas cher. Voilà. D'accord. Alors, Thierry nous indique que la connexion n'est pas très bonne, donc j'espère que malgré tout que vous nous entendez bien. Désolée si de temps en temps, effectivement, ouais. C'est juste. Donc, c'est le live, voilà, c'est le principe du live. Donc, on peut être parfois contraint par ces connexions. Bon, mais ça nous permet d'échanger, donc j'espère quand même que vous nous entendez bien. Clément, quel est le pourcentage de demandes de devis qui aboutissent? Je ne vais pas pouvoir répondre, Clément, justement. C'est un travail que, voilà, personne n'est parfait. C'est un travail que je n'ai pas fait depuis un petit moment. Je me contente de ce que je ressens parce que j'ai pas fait les statistiques. Alors pourquoi on le fait pas? Mais parce qu'on a autre chose à faire. Et c'est bien de me le rappeler parce que dans cette période où on a plutôt un peu plus de temps pour le faire, ce serait bien que je le fasse. Ça fait déjà une semaine que j'y pense. Je suis en train dans ma tête de me dire comment je vais faire, quelle méthode je vais utiliser, sachant que les données viennent d'un peu partout. Là, maintenant, j'ai utilisé un logiciel depuis 2 ou 3 ans maintenant de devis en ligne. Donc là, je vais avoir certaines données. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont par ailleurs. Donc, c'est assez compliqué au final. Il faut que j'aille chercher sur ma base de données de site Internet la liste des gens qui ont fait une demande, qu'en face de chaque demande, je sache ce qui aboutit. Donc, c'est un travail assez long que je n'ai pas fait depuis un petit bout de temps. En gros, quand tout va bien, dans les bonnes périodes, il y a quelques années, on était sur, quand on faisait un devis, à peu près un devis sur deux tombait.
Là, en ce moment, ça a beaucoup diminué. Peut-être parce que, ben, peut-être parce qu'il y a eu plus de demandes, peut-être parce que les gens, du moins mes professionnels, ont eu des problèmes pour avoir des financements ces dernières années. Il y a eu moins de financements, donc les devis passent moins. Mais c'est une question très importante, ça, de savoir le ratio. Et j'avoue que je suis obligé d'avouer que là, je suis un peu dans le vide, je ne le sais pas. Et c'est une préoccupation que j'ai. J'espère que je vais pouvoir profiter du confinement pour avoir une meilleure idée de ça. D'accord. Alors, une question d'Élise. Bonjour Eric, réalises-tu des plans de travail en zinc uniquement dans le cadre de projets complets ou est-ce que cela peut être un élément zinc unique pour compléter une création slash... Alors, Élise, bonjour. Je pense que c'est toi qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Tu es ébéniste dans la région parisienne et tu apparais sur le site du label AEF, si je ne me trompe pas. Et je te recommande auprès de tout le monde parce que ce que tu fais, c'est sympa. Alors, pour répondre à ta question… Hein? C'est celle-là? D'accord, ok. Pour répondre à ta question, non, on a aussi on a beaucoup de demandes sur des plans de travail de comptoir en zinc seul. En fait, on a une partie de l'activité sur le zinc qui se fait en sous-traitance, étonnamment. On travaille pas mal pour des collègues ébénistes ou des agenceurs qui nous demandent des comptoirs. Alors là, c'est souvent des grosses réalisations, hein, souvent des belles réalisations. On l'a fait l'année dernière, entre autres, le Caspia, qui est le restaurant VIP des Galeries Lafayette à Paris. Un très, très beau comptoir en zinc avec de l'arrondi, enfin, magnifique. Et puis, l'agenceur a fait autour un bar magnifique. On a plusieurs réalisations comme ça par l'intermédiaire des agenceurs. Et puis, on a aussi beaucoup de demandes de particuliers qui nous envoient justement... un petit croquis avec un plan de travail en zinc, etc. Et donc, on fait ça aussi. On fait ça aussi. J'avoue que ça marche plus pour les agenceurs que pour les particuliers. Les particuliers, pourtant, je trouve que ce n'est pas excessif le prix, mais je crois que le zinc a une image de quelque chose de très basique et les gens s'attendent à ce que ça ne va coûter rien ou ça va coûter le même prix que, je sais pas, chez Leroy Merlin ou Castorama. Mais il y a quand même du travail derrière. Donc, je ne trouve pas ça très, très cher, mais il y a en gros... que 25% des devis pour les particuliers qui passent. Mais voilà, ça nous permet de faire des belles choses aussi de ce côté-là. D'accord. Une question de Mathieu. Comment transmettez-vous votre savoir-faire au sein de votre structure? Alors, je ne sais pas si la question est orientée peut-être plus communication interne. Nous, à l'intérieur, on est très autodidacte. Voilà, on aime ça. Aller chercher les informations par nous-mêmes, aller grappiller à droite à gauche. Quand j'ai eu l'idée des comptoirs en zinc, ben, je suis allé acheter de quoi souder, je suis allé acheter du zinc, puis j'ai commencé. Puis avec mes collègues, on a commencé à faire des soudures, ça ne marchait pas du tout. On a commencé à regarder sur YouTube, bien sûr, partout. Et puis, on a fini par mettre en place des techniques qui étaient viables. Et quand on a eu vraiment un vrai marché de la demande, là, on a fait venir un compagnon couvreur qui est venu 2 jours à l'atelier avec son matériel. Et puis, qui était là, qui nous a dit, ben voilà, mais les gars, il ne faut pas faire comme ça, c'est n'importe quoi votre truc. Là, regardez, je vais vous montrer. Qui nous a dit, ben ça, ce que vous faites là, c'est bien, oui, c'est original. Et en gros, on se crée nos techniques à nous et on les complète avec des techniques, on va chercher des compétences là où il y a besoin, là, des gens qui savent, d'une manière assez informelle au final. Après, peut-être la question touche aussi l'apprentissage ou des choses comme ça. Donc, ben là, pour l'instant, nous, on n'a pas d'apprenti. Le dernier qu'on a eu, il était quelques années. Et j'espère qu'on va en reprendre dans les années qui viennent. Mais on en a eu pas mal tout au long des 35 ans d'activité. Mais là, depuis quelques temps, on a ralenti un petit peu. Voilà, pour des raisons que je ne pourrais pas expliquer là. C'est trop compliqué. Ça demande un vrai débat. Mais je pense qu'on reprendra les apprentis. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous, on va certainement reprendre un apprenti, on prendra quelqu'un qu'on connaît bien, quelqu'un avec qui on a déjà un peu travaillé. C'est pour ça qu'on invite les stagiaires à venir chez nous. Ça nous permet, nous, de repérer les gens dont on pense qu'ils peuvent faire des ébénistes, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'apprentissage et qui ne font pas le métier. Ça, je trouve ça lamentable et catastrophique. Alors, un retour de Denis que je vous partage parce qu'il est très positif. Denis nous dit « Bravo pour votre partage, je suis ébéniste au Québec en confinement. Le travail de votre équipe est de toute beauté. Bravo à votre équipe. »
Merci, merci. Bon courage à vous là-bas. On est tous dans la même galère, a priori. Alors, une autre question. Combien de temps accordez-vous à la prospective dans votre pratique? Êtes-vous seul à vous charger de la partie créative design? Alors, la partie créative design, oui, je suis tout seul. La partie prospective, c'est-à-dire prospection, j'imagine commerciale. Là aussi, en revanche, sur le suivi commercial, j'ai un de mes collègues, Christophe, qui fait une partie des devis que j'ai formé sur la partie commerciale liée au billard déjà, puisque lui dans l'entreprise c'est lui qui livrait les billards, donc il sait très bien comment ça se passe. Donc là c'est lui qui les vend maintenant. Il s'occupe aussi, donc là c'est la vente d'un billard, c'est simple puisqu'il y a un prix fixe, là c'est pas très compliqué. Mais par contre il s'occupe aussi des à la fois des designs pour les particuliers et des ce qu'on appelle les meubles bars, les bars pour les privés. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Il faut souvent faire un croquis, faut calculer un prix, puis avoir une démarche commerciale, faut envoyer, faut relancer. Donc là, là, on est deux à ce niveau-là. Mais sinon, effectivement, je suis tout seul à assumer la partie commerciale. Et puis, bah, des fois, je me balade beaucoup, des fois, je me balade un peu moins, ça dépend. Mais le problème, c'est qu'on a des chantiers vraiment dans toute la France. Donc là, en ce moment, à la reprise, on va être à Amiens, ensuite à Maubeuge. L'année dernière, on était à Draguignan. Donc, ça veut dire que, heureusement qu'il y a Internet parce que j'arrive à finaliser, mais il y a le dernier moment où il faut que j'y aille parce que, bah, parce que c'est important. Sur des chantiers professionnels, c'est difficile de faire autrement, surtout quand il y a un architecte et puis d'autres corps de métier. Donc ça me prend pas mal de temps, mais là pour ça je suis tout seul. Et en création, oui, je suis tout seul pour l'instant. D'accord. Alors Grégory, bonjour. Pensez-vous que le métier d'ébéniste a toujours un bel avenir devant lui, et que conseilleriez-vous à un reconverti pour s'imposer parmi ses nombreux artisans? Oui, il y a des choses à faire. Ce que j'ai à lui conseiller, c'est déjà de se rapprocher du label AEF. Enfin, déjà de se former, il faut qu'il soit formé parce que c'est quand même un métier où il y a besoin de compétences quand même. Il ne s'agit pas de faire des boîtes à sel chez soi pour devenir ébéniste, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il faut qu'il soit formé. On peut supposer que s'il est en reconversion, il a des compétences déjà par ailleurs. Ça, c'est un point important. Parce que s'il a des compétences en marketing, en commercial, en communication, vous voyez, j'en suis la preuve, moi c'est hyper important pour durer, pour avoir une petite réussite, on va dire. Maintenant, il faut aussi qu'il ait les compétences en technique. Donc pour ça, il faut qu'il se forme, il faut qu'il passe un CAP, qu'il se forme et puis qu'il ait un niveau technique suffisant. Après, qu'il se rapproche des gens comme nous, du label Artisan et Business de France dont je suis président, parce que là il y a un réseau, parce que là on peut le conforter dans sa stratégie de faire les choses bien, parce que nous c'est notre stratégie. Après les conseils, c'est il faut qu'il définisse bien son projet, qu'il sache ce qu'il veut faire. Pour moi, une des clés de réussite, c'est d'avoir une spécialité, c'est clair. Moi j'ai commencé avec le billard, c'est une spécialité. On a fabriqué ça pendant de nombreuses années. À un moment donné, on était dans l'entreprise, on était 10 à fabriquer des billards, donc il y avait quand même une activité. Après, du restaurant, je conseille de trouver une voie qui est la sienne, que ce soit une voie en design, qu'il ait sa patte, sa finition, qu'il ait quelque chose qui soit particulier, ou un savoir-faire particulier. On a des collègues qui font des billards, bien sûr. Vous en avez qui font du mobilier spécifique pour les pharmacies, pour les boulangeries. Vous en avez d'autres qui font du mobilier avec un style particulier. On a un collègue, Jean-Luc et Anne Tonquin, qui font du mobilier médiéval. C'est une spécialité. Il faut quand même trouver, il ne faut pas être, voilà, faut pas se dire je vais être généraliste et puis attendre de voir ce qu'on va me donner. Moi, c'est mon conseil, hein, mais bon, je ne suis pas non plus, je n'ai pas la science infuse. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment déterminer quelque chose qui vous ressemble, qui soit différent des autres et que vous faites à fond. Faites-le à fond. Mais une reconversion, ça peut être un gros avantage si vous avez des compétences qui peuvent être utiles dans le rôle de chef d'entreprise. Voilà. Et ceci dit, vous pouvez aussi très rapidement avoir des collaborateurs qui, eux, sont issus
de la formation initiée à l'ébénisterie et qui viendront compléter votre savoir-faire à vous aussi. Et ça peut faire une très belle entreprise quand il y a plusieurs niveaux de compétences comme ça. Mais il faut y aller à fond, il faut y croire et il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais ça peut être une belle vie quand même. Ah, ok. Alors, une autre question, nous en avons encore plusieurs, de Sébastien. Rencontrez-vous des difficultés dans le recrutement de vos collaborateurs? Avez-vous un turnover important? Alors, moi, j'ai la chance de ne pas avoir de turnover. Voilà, c'est les mêmes collaborateurs depuis de nombreuses années. Et je n'ai pas eu la nécessité d'embaucher depuis longtemps. On est sur un point d'équilibre, nous, qui est bien. C'est pas interdit, j'aimerais bien qu'on évolue un petit peu, mais voilà, c'est quand même tellement dangereux, c'est le terme, c'est très très dangereux d'embaucher, voilà, c'est le terme exact que je dis, c'est dangereux, parce que vous êtes impliqué, ça peut aller très loin, quand ça va très mal, ça peut aller très loin, donc c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Dans nos métiers, on se sépare pas d'un collaborateur comme ça en lui disant écoute, ça va pas, pars de ton côté ou reste du nôtre, ça marche pas du tout comme ça. Ça peut être financièrement très compliqué pour l'entreprise, donc moi je suis très très prudent là-dessus. J'embauche pas pour embaucher. Donc voilà, les collaborateurs que j'ai sont là depuis de nombreuses années. Voilà, j'ai pas de solution miracle, enfin si ce n'est j'essaie de leur donner de l'autonomie, faire en sorte qu'ils soient autonomes dans leur dans ce qu'ils font. Qui s'organisent comme ils veulent, j'allais dire, mais ils savent aussi quelles sont mes consignes là-dessus. Mais ils ont beaucoup d'autonomie, y compris vis-à-vis du client et tout. Et je pense que c'est ça la réussite. Alors, tous ne pourraient pas le faire, hein, c'est vrai. Il y en a aussi qui viennent, qui aiment bien venir, se mettre derrière leur établi, arriver à 8 heures pile, repartir à 5 heures pile, et puis ne pas s'embêter avec tout ce qu'il y a autour. Chez moi, c'est l'inverse. Il faut avoir envie de s'embêter avec tout ce qu'il y a autour et puis d'avoir un métier qui sort... qui sort de l'espace réservé, celui de l'établi, quoi, pour aller voir d'autres choses. Et donc, c'est pour ça, j'en ai qui travaillent sur SketchUp. J'ai donc mon collègue Christophe qui est sur celle-ci, qui travaille aussi sur les devis. Je crois que c'est une clé de réussite. C'est aussi de leur laisser faire un petit peu ce que je fais moi, à mon niveau, de toucher un petit peu à tout et de ne pas s'ennuyer, et puis de sentir qu'ils sont importants, qu'ils ont des responsabilités à tenir. Bien sûr. Alors, quelques dernières questions peut-être avant de passer sur le sujet des AEF. Léandre, vous arrivez à l'accueil donc des étudiants stagiaires. Quelle est la durée moyenne des étapes, pour dans le processus de stagiaires? Nous, on accueille des stagiaires qui sont généralement en CAP d'ébénisterie dans des lycées professionnels ou dans les centres de formation professionnels liés au CFA, sur les stagiaires qui sont donc ont besoin dans leur cursus de CAP, puisqu'ils sont jeunes débutants, de faire des stages pour découvrir le métier. Donc ceux-là, on les prend volontiers, parce que c'est notre rôle, c'est notre responsabilité aussi de les accueillir dans la corporation, voilà, tout simplement. Et de leur montrer ce à quoi ils doivent s'attendre, à quelle joie ils doivent s'attendre, à quel aussi, pas sacrifice, mais enfin, ce qu'on attend d'eux dans le métier. Donc, les durées de stage, ça dure en général, c'est 3 semaines, 1 mois. Et puis voilà, puis ça permet aussi de repérer des stagiaires, de se dire, tiens, celui-là, s'il a envie de faire une alternance, un BTS, un BTM ou un BTMS d'ici à la fin de son CAP, peut-être qu'on pourrait le prendre. D'accord. Franck nous demande, aujourd'hui, votre clientèle se compose plutôt de particuliers ou de professionnels? Alors, c'est vraiment, en chiffre d'affaires, c'est à peu près moitié-moitié. En volume, c'est un peu différent parce que les professionnels, c'est tout de suite des gros chantiers, c'est tout de suite énorme. Donc, ça représente moins de dossiers, mais c'est à peu près moitié-moitié. Donc, en gros, 50% de chiffre d'affaires en aménagement de restaurant, pour être global, restaurant-hôtel, et puis 50% en cuisine, principalement en cuisine pour les particuliers ou en meuble-bar ou en billard. Florian, quelle méthode pour faire connaître un nouveau produit auprès des particuliers avec les outils numériques? Alors, est-ce que vous avez des
C'est des campagnes spécifiques ou c'est effectivement plutôt une communication très régulière sur ce que vous faites? Faire connaître un nouveau produit, ça voudrait dire quelqu'un qui crée une gamme de produits. Ben, je pense que vous allez surveiller le Facebook de mon ami et collègue Joseph Vallon, VA2LON. Qui lui a quelque chose sous le coude là, qui va communiquer dessus. Je vous en parlerai tout à l'heure. Regardez ce qu'il fait Joseph Vallon. Je pense que lui, il va penser à la manière de faire pour communiquer sur une nouvelle gamme de produits. Moi, je dirais sinon, c'est les méthodes traditionnelles. Il faut faire apparaître le produit à la une sur vos publications, que ce soit votre site internet. Alors il y a des moyens sur un site internet de faire des pop-ups, c'est des choses qui s'affichent en premier quand les gens arrivent sur votre site pour communiquer sur un produit particulier. Ça peut être une campagne d'emailing. Si vous avez un fichier de client, envoyez-leur un newsletter particulière sur ce produit-là. C'est bien sûr sur Facebook. Faites circuler. Ça peut être sur Pinterest aussi, sur tous les réseaux sociaux. Faut communiquer là-dessus, et puis là, si le produit est beau, si vous faites un peu de buzz, la sauce va prendre. Voilà, moi je vois pas 36 000 solutions. Faut communiquer. Encore une fois, quand on sait faire, après faut savoir faire connaître. C'est tout le challenge est là et toute la réussite est là. Alors juste un petit témoignage de Roger Leboeuf qui nous dit: Éric Jovy, un homme heureux. Rejouer, je te le souhaite aussi. Je pense que tu as t'as mis en œuvre au moins autant de choses que moi dans ton entreprise, parce que on parle à peu près de la même chose tous les deux. On est à peu près sur les mêmes gammes d'entreprises et je sais qu'on partage les mêmes valeurs. Merci à toi. Puis sois heureux toi aussi. C'est tout ce que je te souhaite. Alors, Sylvain nous demande, toutes ces explications sont passionnantes et claires sur le ressenti du vécu. Serait-il possible de revoir les images réalisations aperçues au début de cet entretien? Donc, juste pour préciser, tous les lives UNAMA sont enregistrés, donc vous pouvez les retrouver sur le Facebook de l'UNAMA. Et puis, le mieux, c'est aussi d'aller voir votre site, Eric. Oui, tout à fait. Et jovis.fr pour retrouver l'ensemble de vos réalisations. Exactement, tout à fait. Et puis de liker, de s'abonner à la page Facebook, comme ça vous aurez tout en direct. Et voilà, exactement. Alors, une question qui va peut-être aussi nous faire, après le lien avec la troisième partie dont on veut vous parler aujourd'hui, une question de Mathieu: intégrez-vous le développement durable dans votre fonctionnement, gestion des déchets, provenance des matériaux? Alors, oui, bien sûr, puisque je pense qu'on en parlera tout à l'heure, puisque c'est lié au label Artisan Ébéniste de France, tout ça. Enfin, entre autres, bien sûr, c'est des choses très personnelles, mais il se trouve que c'est quelque chose dont on parle beaucoup et qu'on gère au sein du label Artisan Ébéniste de France. Donc, peut-être que je développerai ce point-là tout à l'heure, qui sera une approche générale, mais qui est la mienne comme celle de mes collègues, si vous voulez. Alors, justement, pour faire le lien, donc vous êtes président du label AEF. Et vous portez en ce moment une initiative très intéressante autour de l'éco-conception. Voilà, alors, pouvez-vous nous parler de ce projet que vous avez appelé Artisan Act? Voilà, alors pour cadrer un petit peu les choses, ici on parle de ma casquette président du label. Il faut parler de l'UNAMA, Union nationale artisanale des métiers de l'ameublement, voilà, qui est l'organisation professionnelle agréée qui représente les entreprises de l'ameublement, de la fabrication et des métiers d'art. Ça, c'est notre organisation professionnelle, nous, les ébénistes, agenceurs, cuisinistes, c'est celle qui nous représente auprès des instances nationales, auprès du dialogue social, qui discute pour nous des conditions dans lesquelles sont appliquées, voilà, est appliqué le dialogue social. Et on parle aussi de AEF, Artisan Ébéniste de France. Ça, c'est le label dont je m'occupe moi, je suis président. Le label étant dépendant complètement de l'UNAMA, ce sont les mêmes personnes. Enfin, on va dire. Ici,
effectivement, ce travail artisanal. Alors, petite connexion interrompue, je pense, avec Eric. Donc, Eric va se reconnecter pour nous retrouver dans quelques instants. Et pour continuer à nous parler effectivement du label AEF et de ce projet Artisan Acte, que je vais juste vous demander quelques secondes pour qu'il puisse revenir. Alors, nous entendons Eric. Oui, et... Ça y est, c'est reparti. Bon, on l'a échappé belle, hein. Il a failli couper court. Donc, je reprends. J'étais en train de dire que le label AEF était un label de qualité qui promet les pratiques des artisans du meuble, de la cuisine ou de l'agencement, des artisans qui partagent des valeurs fortes du métier. Donc, ces valeurs fortes, c'est 1) le respect des engagements envers le client, 2) c'est une pratique quotidienne tournée vers la qualité, et 3) c'est une implication réelle envers les règles du développement durable. Donc, dans cette optique-là, j'ai voulu, quand on est artisan du label, on s'engage dans une charte qui est la charte du label, qui a, il y a 16 points de la charte qui nous engagent sur les valeurs que je viens de définir là. Et il y a un 16e point qui dit « Je m'engage à agir et à mettre en œuvre les règles du développement durable. » Donc ça, il ne suffit pas de le dire, mais on a voulu aussi prouver qu'on était capable de le faire. D'où ce travail qui s'appelle « Artisan Act » et dont je vais vous énoncer le principe. Ce sont des équipes d'artisans du label qui travaillent ensemble sur la création et la réalisation d'un meuble, d'une cuisine ou d'un agencement éco-conçu. Donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'il faut, on définit les principes au départ de ce qu'on veut faire, quel principe d'éco-conception on retient. Donc, ça peut être bien sûr l'utilisation de bois massif, ça peut être l'utilisation de matières locales, de savoir-faire locaux, de cuir, d'osier, etc. C'est l'utilisation de produits sans solvant, s'il n'y a pas de colle avec des solvants, pas de vernis, on utilisera plutôt des colles blanches à l'eau, plutôt des vernis hydro, ce qu'on appelle hydro, ou des huiles. On va retenir comme principe d'éco-conception que ce soit démontable, que ce soit réparable, tout un tas de critères qu'on pose dès le départ, et avec ces critères-là posés, qu'on a en esprit, les équipes travaillent chacune avec un designer différent. On a 3 équipes en France, dans toute la France. Chacune a un designer différent. Elles ont défini au départ le produit qu'elles vont créer. Donc, on a une équipe en Vendée là qui vont créer une cuisine, une équipe dans le Pays de Loire là qui vont créer du mobilier, une table, tabouret, meuble de milieu, et une équipe en Vallée du Rhône qui vont créer un petit meuble modulable. Chacun designé avec donc l'aide d'un designer et chaque produit conçu dès le départ avec en suivant les règles de l'éco-conception. Donc vous voyez ici, je vous ai mis 2 visuels d'Artisan Act. Là on voit très bien qu'on est dans une réunion de travail où on a dessiné des choses, on a commencé à fabriquer des maquettes en carton. Voilà, tout ça c'est la procédure au départ initiée où on pose des éléments, les grandes lignes des projets, on commence à dessiner avec l'aide du designer. Ensuite, une fois que les idées sont retenues, on commence à faire des prototypes à petite échelle pour voir le volume, si ça fonctionne, etc. Après, si vous pouvez passer la diapo suivante, Peggy, on doit voir voilà des collègues en train de travailler là sur du prototype. Donc, on a les maquettes carton qui sont faites. Et on commence à travailler à l'échelle 1-1 avec soit des chutes de bois, soit du carton. Et là, actuellement, du moins avant ce qui se passe là actuellement, avant le confinement, on en était rendu à fabriquer les choses, à commencer à fabriquer pour de vrai, de façon à faire aboutir le projet
qui devait au départ aboutir au mois de juin, mais là, bien sûr, ça va être reculé. Donc, l'objectif de la chose, c'est de bien sûr, de montrer et de communiquer qu'on sait faire sur le design et sur l'éco-conception. On s'est engagé là-dessus, mais maintenant, on le montre et on veut communiquer dessus. On veut avoir de la presse, on veut avoir de la télé qui vienne parler des artisans labellistes de France, du label, et qui montre que ces gens-là sont capables de faire des choses éco-conçues avec des matières locales, des savoir-faire locaux, et que tout ça, ça se fait pas loin de chez vous. Voilà, c'est ça qui est important. Un autre objectif, c'est de travailler ensemble aussi, et aussi de travailler en groupe ensemble, ce qui est pas toujours, ce qui est rare entre artisans, hein, enfin du moins entre artisans du même métier. C'est quand même assez rare qu'on se retrouve autour d'un même projet. Donc là, c'est super sympa entre nous de partager. Et l'autre objectif, le troisième objectif, c'est de monter nos compétences en termes d'éco-design, puisqu'on va réfléchir là-dessus, on va poser des choses, et en termes d'éco-conception, pardon, puisqu'on va poser les principes, et en termes de design aussi, puisqu'on est accompagné à chaque fois d'un designer qui, lui, nous recadre sur la méthode, comment faire pour être meilleur en design. Donc voilà, ce projet, il est en cours, on a 3 équipes dans toute la France, et puis on a tous hâte de reprendre après le confinement pour mener à bien ces 3 projets. Et à quel moment pourra-t-on voir ces projets ? Ah, alors voilà, tout ne dépend pas de nous maintenant. Ouais. On avait prévu une opération au mois de juin. On devait présenter tout ça dans une grande surface commerciale dédiée uniquement aux meubles en région parisienne, là. Du coup, tout ça, c'est un peu reporté parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va finir. On est pas mal en relation avec le salon Art et Décoration dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le label AEF y participe. Le salon Art et Décoration qui a lieu tous les ans au mois de mars à la Grande Halle de la Villette. Cette année, j'ai pris langue avec les organisateurs qui sont très intéressés par le projet Artisanact. Et il est fort probable que l'année prochaine, on ait à la fois un espace pour présenter ces trois projets-là, en espérant bien sûr la présence et le relais du magazine Art et Décoration, on espère, et d'autres magazines. Et on leur fera peut-être aussi même une animation autour de l'éco-design à l'intérieur même du salon. Donc, l'échéance la plus lointaine, ce sera en mars 2021, mais très certainement, à la rentrée, septembre, octobre, novembre, on aura mis en place autre chose pour présenter à la presse et d'une manière générale les produits dans un endroit d'opération qui reste encore à définir. Est-ce que ce sera dans à l'endroit qu'on avait prévu initialement dans la zone commerciale, enfin dans le grand centre commercial dédié aux meubles? C'est possible, mais là, j'ai pas encore la réponse. Mais voilà, ça sortira. Cette année, ce sera fini et ce sera présenté. Vous en saurez plus. Suivez bien l'actualité, surtout au label AEF sur le Facebook. Là, on vous dira tout au fur et à mesure. D'accord. Alors, nous avons sur ce sujet une question de Stéphane. Est-ce que tout à chacun peut participer à ce projet ? Alors, Stéphane, bonjour à toi. Si tu es le Stéphane auquel je pense, je te salue bien. Je regrette que tu n'aies pas participé à ça cette année, mais je sais que tu avais bien, bien d'autres choses à faire puisque tu as changé d'atelier cette année. Et que c'était un gros investissement pour toi, que tu ne pouvais pas nous rejoindre, mais que tu le regrettes. Alors, celle-là, bien sûr, pour cette année, c'est trop tard pour venir nous rejoindre, puisque les travaux sont en cours. Je ne sais pas, j'espère, je pense que l'opération sera réitérée. Tout ça dépend comment ça va se terminer après le confinement, c'est un peu ça qui est, voilà. Mais c'est une tellement belle opération que il y a de fortes chances pour qu'on la réitère régulièrement. Est-ce que ce sera tous les ans, tous les deux ans? Je ne sais pas. Et donc, il faudra à ce moment-là être à l'écoute des appels à candidature qu'on fait à ce moment-là au mois de septembre. On dit, tiens, on recommence l'opération. Tous ceux que ça intéresse, inscrivez-vous. Il faudra être à l'écoute de ça. Dans tous les cas de figure, au moins pour cette première initiative-là, c'était réservé aux artisans du label. Parce que, il y a quand même des frais qui sont pris en charge par le label. Les designers, faut quand même les rémunérer. Les matériaux, c'est nous qui achetons les matériaux. Donc, c'est réservé aux artisans du label.
il n'est pas impossible, c'était un peu prévu, que s'il y a d'autres opérations, on les ouvre aussi à des collègues qu'on sent proches de chez nous. L'idée, c'est quand même de les récupérer dans le label, et c'est pas non plus pour rien qu'on le fait. Donc, mon message, c'est restez à l'écoute l'année prochaine. Si on retire l'opération, inscrivez-vous, et il n'y a pas de raison que si on sent que vous êtes proche de ce qu'on fait nous au label, on vous accueillera avec grand plaisir. Donc, cette remarque rejoignait également celle de Roland qui nous disait qu'effectivement, il serait judicieux d'ouvrir la présentation à ceux qui auraient souhaité le faire, mais qui n'ont pas pu cette année. Mais donc, vous nous confirmez que l'opération pourra, a priori, être rééditée. Oui, alors il y a eu d'autres choses qui ont fait que tout le monde a… Il y a certaines personnes, certains collègues qui auraient bien voulu participer, mais faut pas… Participation à Artisanac, ça veut dire quand même facilement 6-7 réunions de travail avec les collègues. Ça veut dire qu'il faut être capable de libérer 6-7 jours dans l'année. C'est énorme, hein, c'est énorme. Hein. On s'en rend compte. Avec parfois des déplacements, parce que les collègues, ils ne sont pas forcément dans votre département. Alors, on a 3 groupes qui sont homogènes au niveau géographique, mais il y a peut-être quand même des fois 2 heures de route à faire pour y aller. Donc, on a des collègues aussi qui auraient bien voulu participer, mais qui étaient trop loin d'un autre groupe, donc ça n'a pas pu se faire. Ces collègues-là, moi, j'ai qu'une chose à leur dire. La prochaine fois qu'il y aura la prochaine session Artisanact, créez un groupe de votre côté avec des gens, des collègues autour de vous, et ce sera beaucoup plus simple à gérer. Et voilà, on fait ce qu'on peut avec la répartition géographique qu'on a, sachant que tout le monde est dans toute la France, donc c'est compliqué de faire réunir les gens au même endroit 6 ou 7 fois dans l'année, c'est compliqué. Mais ça, c'est mis en place, voilà. Alors, encore une question sur ce projet de Mathieu. Comment avez-vous choisi, trouvé les concepteurs du projet? Alors, les concepteurs, il y a deux types de concepteurs. Il y a les artisans en eux-mêmes. Donc ça, j'ai communiqué au sein du label en disant, on va mettre ça en place, ce projet, qui veut participer? Et puis, les collègues se sont dénoncés eux-mêmes, on va dire. Donc ça, c'est les concepteurs artisans. Et puis, on a fait, pour ce qui est des designers, notre directeur national d'UNAMA, Patrick Cruz, a fait un appel d'offres dans des réseaux qu'il a, lui, de son côté. Et plusieurs designers se sont présentés en disant, nous sommes intéressés au travail avec les artisans. On a mis en place un cahier des charges. On leur a dit, voilà ce qu'on souhaite. Le début, la fin, temps de réunion, voilà ce qu'on souhaite que vous produisiez comme travail ou comme conseil. On a choisi les 3 qui nous paraissaient correspondre le plus coller à notre projet. Voilà. Donc les équipes se sont formées comme ça, avec les artisans et designers. J'ai oublié de dire aussi ce qui est important quand même, que ce projet, il est fait, on a une prestation qui est réalisée par le CTBA, le Centre du Technique Bois et Meubles, ou l'FCBR, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un centre qui regroupe un centre semi-public, qui regroupe un ensemble d'ingénieurs du bois qui travaillent sur les normes autour du bois. C'est eux qui gèrent, entre autres, la norme NF. Voilà. Donc, on travaille avec eux sur les critères d'éco-conception. C'est eux qui vont valider le critère éco-conçu de notre travail. Ils vont dire, vous avez bien respecté telle ou telle chose, c'est quantifié de telle ou telle manière, on peut valider. Eux nous donnent la méthode écrite et la méthode chiffrée de validation des éco-conception. Il y a ça aussi. Donc voilà les 3 types d'intervenants sur ce type de travail-là qui s'appelle Artisanact. D'accord. Donc, un beau projet à suivre sur votre… Quelqu'un me fait la remarque, là, je vois, c'est le FCBA, je suis bien d'accord. Le FCBA, alors je ne saurais pas dire, c'est forêt, bois, ameublement, forêt, je ne sais plus quoi. Bon, voilà, c'est les ingénieurs du bois qui s'occupent de la filière bois, voilà. D'accord. Je vous propose quand même de revenir sur la question de Laurent sur le label EF qui nous a posé en milieu de présentation cette question. Quelle est la valeur ajoutée du label EF? Est-ce que cela permet de nouveaux débouchés, une nouvelle visibilité en tout cas, et voir un peu plus de clients? Alors là, on parle de la partie commerciale uniquement. Hein. La valeur ajoutée, elle se fait sur plusieurs niveaux, bien sûr. Vous avez compris, sur le niveau humain, sur le niveau compétences qu'on acquiert, bien sûr. Mais
pour moi, le plus important, c'est le niveau commercial, avant toute chose, avant les autres. Le label ANEF doit procurer un avantage concurrentiel aux adhérents. Les adhérents sont des gens dont on a vérifié en interne qui sont fabricants, c'est-à-dire qui partent bien de la matière pour fabriquer quelque chose qu'on va livrer chez vous. Ce ne sont pas des revendeurs ou des gens qui achètent des parties, des caissons pour vous faire croire qu'ils fabriquent. Ils sont vraiment fabricants. Donc, ça veut dire des gens qui ont des compétences, qui ont des machines, tout ça. C'est, voilà, c'est des gens qu'on a besoin d'aider parce qu'ils ont fait un gros effort au départ pour produire un produit made in France de qualité qui est vraiment fabriqué chez nous. Et donc, c'est un avantage concurrentiel. Le label dit, ça, ce sont des vrais fabricants. Ensuite, ce sont des fabricants qui respectent un certain nombre de règles, notamment sur le respect des engagements qu'on a vis-à-vis du client. On est engagé, ça veut dire qu'on respecte ce qu'on a dit qu'on allait faire, la chose, le délai, on respecte le prix, on est clair sur les matériaux, on est clair sur ce qu'on utilise et la manière dont on le fait. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que nous, les artisans, s'en servent comme d'un argument commercial, de dire, voilà, moi, je suis labellisé, c'est une garantie que je vous apporte. C'est à la fois les confrères, enfin le métier et aussi les ingénieurs du bois, puisque quand on a un artisan qui est labellisé, son entreprise est auditée par le FCBA, donc, qui vient contrôler qu'il est bien fabricant, que les matériaux qu'il utilise sont bien conformes à ce qu'il déclare, qu'il a le matériel qu'il faut pour vraiment fabriquer, etc. Donc, c'est une garantie qui est amenée au client. Et on veut que cette garantie amenée au client soit un avantage concurrentiel pour nos adhérents. Et donc, c'est pour ça qu'en matière de communication, je veille à ce qu'ils aient tous les éléments pour pouvoir dire, afficher, moi, je suis artisan labelliste de France, venez chez moi parce que vous avez une garantie de fabrication. Et donc, merci de me tendre la perche, là, c'est très bien. J'invite tous les collègues qui m'écoutent, là, qui seraient artisans labellistes, qui se sentent proches de nos valeurs, de s'inscrire, vous pouvez vous inscrire sur le label en quelques clics sur le label dont l'adresse est label-aef.fr, on vous le redira tout à l'heure. Vous avez une page rejoindre le label et en quelques clics vous vous inscrivez. On vous demande pas mal de renseignements parce qu'on veut savoir qui vous êtes. On veut savoir si vraiment vous êtes dans les plots du label, mais si vous fabriquez, si vous avez la fibre développement durable, si vous êtes un peu créatif, si vous respectez le sentiment de respecter les clients, vous serez admis au label parce que c'est exactement ce qu'on est, nous, dans nos pratiques quotidiennes. Donc, inscrivez-vous, on vous demande certains critères. Tout le monde n'est pas accepté au label. Il y a des gens qu'on refuse ou pour lesquels on dit, écoutez, c'est un petit peu tôt pour vous, mais faites-le. Ça coûte 70€ par an. C'est le premier niveau d'inscription. Après, au label, on a un deuxième niveau d'inscription, mais ça, vous verrez ça dans un deuxième temps. Ce qui est important dans un premier temps, c'est de nous rejoindre et de faire partie de cette grande mouvance qui est celle de l'ébénisterie de qualité et qui respecte des valeurs fondamentales. Alors, Roland témoigne d'ailleurs, il nous dit « Je suis adhérent depuis peu au label et je sens un vrai changement. » C'est bien Roland, merci, ça sert à ça exactement le label et je suis content que toi tu sentes la différence. Moi, je l'ai senti quand j'ai commencé au label il y a très très longtemps. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais ça a été important pour moi. Et c'est pour ça que, à mon tour, je rends aussi au label ce qu'il m'a donné, parce que c'est un peu grâce à lui que je suis encore là maintenant. Alors, Laurent nous demande également, pouvez-vous nous parler de la possibilité de numérotation des productions AEF ? Ah oui, très bien, Laurent. Oui, alors ça, c'est donc un service qu'on amène au label. En fait, on est tellement sûr de ce que font nos adhérents au label qu'on a proposé la certification de meubles ou d'agencement ou de cuisine. C'est-à-dire que l'artisan peut proposer à son client l'homologation du meuble. L'homologation, ça consiste en quoi ? L'artisan fait un dossier complet sur le meuble, un dossier principalement technique où il décrit les matériaux qu'il utilise, il décrit sa conception du meuble, quel assemblage il réalise,
quelle quincaillerie il va utiliser. Il dit dans le dossier comment il a contrôlé la siccité du bois, c'est-à-dire le taux d'hygrométrie, comment il a contrôlé que son local à vernis était bien à la bonne température, etc., pour que l'huile, tout ça, ou la peinture prenne bien. Il fait un vrai dossier. Il accompagne ce dossier de photos en fabrication. Donc, on voit le meuble se fabriquer. On voit des pièces de bois, on voit des assemblages, on voit quelque chose qui se monte, on voit une porte qui se pose, etc. Et il complète tout ça de photos finies, en général, photos prises chez le client. Qu'est-ce qu'on a encore? Si possible, des visuels ou des éléments de la vente. S'il y a des visuels de vente qu'on contrôle, nous, en commission, que ce qui a été fabriqué est bien conforme à la vente, mais ça l'est forcément si le client l'a accepté. On lui demande de mettre dans le dossier un devis, une facture, et nous, on a une commission qui étudie chaque dossier d'homologation, qui contrôle que tout ça est bien checké et qui valide. Une fois que c'est validé, le client reçoit un certificat du label lui indiquant que la réalisation faite par tel artisan porte tel numéro, c'est un numéro unique, et qu'elle est conforme aux règles, au référentiel du label. Et l'artisan de son côté reçoit un livret d'homologation. C'est un document à imprimer qui récupère toutes les données qu'il a saisies, qu'il les met en forme pour avoir un document qu'il peut donner à son client. Le client ainsi, l'histoire complète de son meuble, comment il a été fabriqué, avec quels matériaux, des photos au cours de fabrication, choses en général dont il n'a pas eu connaissance. Et en fait, en général, c'est un cadeau supplémentaire qu'on offre au client, l'histoire de son meuble avec le livret. Donc, ensuite, le meuble est accompagné d'une estampille, on pourrait presque appeler ça une estampille. C'est une plaque gravée que le client ou que l'artisan vient apposer sur le meuble à un endroit en général invisible, et qui est un peu dans le même esprit que l'estampille des ébénistes du 18e, des ébénistes du 18e et du début du 19e, apposaient toujours leur marque sur leur meuble sous la forme d'un marquage au fer, ce qu'on appelle l'estampille. Et c'est ce qu'on a voulu retrouver là avec les plaques gravées. Donc ça, c'est un service qu'on amène en plus aux clients si vraiment on veut aller dans le niveau de garantie, enfin voilà, supérieur. Sur la petite histoire, chaque meuble est après incrémenté dans un grand livre du patrimoine qu'on appelle chez nous. C'est donc un grand livre qui un jour sera édité sur le net très certainement, où toutes les réalisations des artisans, toutes les réalisations homologuées apparaissent. Pour préciser un petit peu, les meubles ou les agences pour les cuisines homologuées, c'est pas lié à leur qualité créative. On peut avoir des choses toutes simples, qui sont homologuées. Il suffit simplement, ce qu'on demande, c'est que ce soit conforme aux valeurs du label, que ce soit bien fait, avec des beaux matériaux, et puis que ça respecte les engagements, c'est tout. Après, si c'est un peu commun ou si c'est très créatif, c'est très créatif, ça n'en est que mieux, mais c'est pas ça, le critère, c'est pas là. C'est pas parce qu'on va pas trouver ça, nous, beau, en commission, qu'on va le refuser, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà. En gros, c'est un service supplémentaire qu'amène le label à la fois aux clients, mais aussi aux artisans. Parce que ça, c'est un objet de différenciation par rapport à d'autres gens qui sont sur le même marché que nous, quoi. Merci pour ces précisions. Laurence nous demande, le chiffre d'affaires est-il un critère pour être labellisé ? Oui, oui. Oui, c'est un critère. On a un seuil minimum. On a un seuil minimum. Pourquoi? Parce que on veut que le label aide. On veut que le label représente des entreprises qui ont une vraie activité, une entreprise qui permettent de faire vivre leurs artisans. Ça, c'est très important pour moi. Il faut absolument que nos entreprises nous fassent vivre. Et donc, on essaye de cibler des entreprises qui ont un minimum de chiffre d'affaires. Ce qu'on veut éviter, c'est les gens qui sont un petit peu entre deux activités ou qui font ça un petit peu à côté, qui souhaiteraient faire partie du label. Non, on veut aider les gens qui n'ont que ça comme activité et qui mettent tous leurs efforts dans leur entreprise et qui en vivent. Donc forcément, le meilleur critère pour ça, c'était de mettre un chiffre d'affaires minimum. On a mis un chiffre d'affaires minimum à 50 000 euros, ce qui correspond à une activité minimum d'un artisan seul.
En dessous, à mon avis, c'est pas une activité dans laquelle on vit. Donc, c'est pas qu'on veut pas aider ces gens-là. Ces gens qui veulent nous rejoindre, qui n'ont pas d'activité, on leur dit pour l'instant, vous ne pouvez pas être au label, mais on peut vous aider. On peut les aider à les faire grandir, les aider. Ils peuvent participer à certaines de nos formations, des choses comme ça. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que le label affiche des gens qui ont un métier viable et qui en vivent. Ça, c'est important pour moi. C'est pas un métier qu'on fait. C'est pas un travail manuel. C'est un vrai métier. C'est des vraies entreprises et c'est des vrais entrepreneurs qui sont labellisés. Très bien. Roland nous évoque alors un point sensible qui concerne d'ailleurs tous les labels. Hein. Certains artisans labellisés revendiquent l'excellence et je trouve cela dommage. Et pas toujours la clientèle correspondante. Alors, l'excellence, c'est un mot qui veut tout rien dire. Hein. Chacun se trouve excellent par rapport aux autres, souvent. Donc, nous, c'est pas l'excellence qu'on revendique. C'est l'adéquation à certaines valeurs. Voilà, ce qu'on veut, c'est apporter une garantie au client. Donc, on n'est pas dans l'excellence, pas forcément dans l'excellence, c'est pas ça qu'on veut. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que un point important aussi, quand même, je suis bien conscient, on est bien conscient qu'on a tous besoin de chiffre d'affaires, qu'on a tous besoin de vivre, et que des fois, peut-être même souvent, dans notre activité, on va faire des choses qu'on trouve pas terribles, voilà, parce que c'est de l'alimentaire. Et moi, je n'ai rien contre l'alimentaire. Il faut que les artisans vivent. Si on vous fait faire des choses que vous trouvez voilà, pas terribles, avec des matériaux pas terribles, mais qui vous permettent de passer le mois, eh ben, faut le faire. On n'est pas, voilà, on n'est pas une secte, on n'est pas sectaire, on n'est pas là pour dire, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est faut que ce soit nickel, carré, super propre, dans l'excellence, on veut pas. Non, c'est pas ça. On est au contraire avec des gens qui vivent de leur métier. Et parfois, il faut aussi faire des concessions dans son métier et se dire, bah, tiens, là, bon, j'ai passé un trait, mettre un mouchoir sur mes, sur ce que j'ai envie de faire habituellement pour me faire quelque chose qui va me rapporter de l'argent, qui va faire tourner l'atelier. Donc, on n'est pas sur de l'excellence, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire bien son travail, de partager des valeurs, de respecter le client et de faire en sorte que ce qu'on lui livre soit conforme et qu'il en soit content. Que ce soit un meuble d'exception ou que ce soit un placard pour ranger ses chaussures. Pour nous, c'est pas voilà, c'est pareil. Donc l'excellence est bienvenue, mais c'est pas un critère. Très bien, merci pour ces précisions. On va arriver sur la fin de ce live. Ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble, donc beaucoup de questions. Oui. On va peut-être laisser les gens aller à leurs occupations. C'est un échange très riche. Alors, avant de se quitter, Eric, vous aviez quand même souhaité, en cette période de confinement, pouvoir porter un message, voilà, à vos collègues artisans. Oui, c'est juste, voilà, j'ai rien de nouveau, quoi, de ce que j'ai déjà dit. Effectivement, je pense qu'il faut le redire, mais si j'ai un conseil à dire, c'est à donner, c'est à mes collègues, si toutefois j'ai si toutefois on me permet de le dire, c'est profiter de ce temps qui est un peu un moment hors du temps, justement, où on a moins de sollicitations quand même si on a des inquiétudes, on a moins de sollicitations, de profiter pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement, mais qui sont importantes. Alors, vous connaissez mon intérêt pour la communication sur le web en général, donc mon conseil va se porter là-dessus, c'est profitez-en pour mettre à jour vos informations sur toute votre présence sur le web, que ce soit sur votre site internet, mais sur Google Adresse, par exemple, c'est le petit pavé qui apparaît à droite quand vous faites une recherche, si votre établissement apparaît, mettez à jour vos horaires, demandez à vos clients, à quelques clients de mettre un avis là-dessus. Alors, en ce moment, ça marche pas, Google est aussi en confinement, mais bon, ça viendra. Sur votre Facebook, partout sur le site des AEF, mettez des réalisations qui soient belles, qui soient à jour, enlevez celles qui sont obsolètes, qui ne vous représentent plus, faites supprimer tout ce qui est inutile et puis essayez de faire un peu un ménage là-dedans. On n'a pas toujours le loisir de le faire, et puis essayez de prendre un peu de recul sur votre activité. Bon, je ne vais pas recommencer les conseils, mais faites
faites comme si vous étiez un client qui rentrait chez vous, là, essayez de voir avec un œil neuf vos locaux, votre showroom, mais regardez si c'est vraiment beau, si ça, ça vous représente ou pas, ou s'il faut faire un peu de ménage, parce que à force de rentrer, on a l'habitude de rentrer dans nos locaux, dans notre bureau, etc. On fait plus attention à ce qu'il y a autour de nous. Et parfois, ça vaudrait le coup de faire venir quelqu'un de l'extérieur et lui dire qu'est-ce que tu penses de mon showroom là. Est-ce que voilà. Je vais donner des exemples, ça ira plus simple. Notre collègue Joseph Vallon, qui est ébéniste dans l'Ardèche, vient de profiter de ce moment pour finaliser une gamme de produits qu'il avait en tête depuis un bout de temps. Donc, c'est un vrai travail de création. Il a créé quelques produits, il prend des photos, il va pouvoir commencer à communiquer là-dessus. Ça, c'est un vrai travail qu'on peut finaliser là en ce moment. C'est le moment. On a un peu de temps, faut le faire. Notre collègue de l'atelier de l'ébène, Roger Leboeuf ou Nicolas Boucher, son collègue là, en ont profité pour refaire un coup de neuf à l'atelier, de changer les cloisons et tout, de faire en sorte que quand ils vont reprendre, ils soient dans les locaux rénovés. C'est pas grand-chose, mais c'est super important d'arriver dans des locaux puis d'un seul coup d'avoir l'impression d'avoir changé de local, c'est super bien. Quelque chose qui est très bien, j'ai appris ça avant-hier, notre collègue des bio de Sologne, Stéphane Gérard, en a profité du confinement pour mettre en place un site de vente en ligne. Eux, ils fabriquent des bio. Donc, les bio, ça peut être sur des produits, des produits de catalogue, des produits fixes. Donc, il a cette chance de pouvoir les vendre en ligne. Et là, il est en train de finaliser un site de vente en ligne pour… donc, vous voyez, ça, c'est des choses magnifiques qu'on peut faire là actuellement, qu'on peut mener à bien. Il y en a sûrement plein. Chacun aura son travail à faire. Moi, le mien, j'ai compris, c'est de savoir le ratio entre ce que je vends et puis les demandes qui m'arrivent sur le site internet. Ça va être mon gros travail dans les jours qui viennent. Je voulais juste finir aussi pour dire que l'UNAMA, donc l'Union nationale, l'organisation professionnelle qui est au-dessus du label, travaille énormément en ce moment par l'intermédiaire de son directeur Patrick Pruse et puis de plusieurs artisans, Claire, Roger, moi et d'autres. À mettre en place des aides pour la reprise, des critères avec des choses très précises que vous devez afficher, que vous pouvez afficher dans vos locaux, des critères pour assurer la sécurité de vos salariés. Là, il y a tellement de choses, c'est tellement bien fait. Rendez-vous sur le site de l'UNAMA à cette adresse qui s'affiche là, service.unama.org. Là, c'est ouvert à tout le monde, même si vous n'êtes pas adhérent. Ceci dit, vous verrez et vous comprendrez à quoi ça sert d'être adhérent et surtout à quoi ça sert de faire vivre l'UNAMA et les AEF. Personne ne le ferait si ces gens-là ne le faisaient pas. Alors, si vous profitez des services de l'UNAMA, si vous êtes content de trouver des gens pour vous aider à faire la reprise et vous donner des critères précis, eh ben adhérez à l'UNAMA, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Et puis, protégez-vous, c'est l'autre meilleure chose que vous pouvez faire aussi. Voilà. Effectivement, une belle conclusion. Merci beaucoup, Eric, d'avoir tout ce temps avec nous. Merci à tout le monde. Et puis, surtout, bonne reprise à tout le monde, hein, parce qu'on attend ça avec impatience. Tout le monde gratte la terre, là, elle est prête à démarrer. Et ben, je pense qu'on va tous s'y jeter à un moment donné, quoi, dès qu'on aura des masques, en gros. Quoi. Tout à fait. Merci à vous. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir pour notre dernier rendez-vous d'avril, donc à savoir jeudi prochain, d'accueillir Marc Feugier, qui est architecte d'intérieur en Rhône-Alpes. Donc, c'est le dernier rendez-vous d'avril, mais il y aura d'autres rendez-vous au mois de mai. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité sur le Facebook de l'UNAMA. Merci encore, à bientôt et portez-vous bien.